vraiment pas, parce que quand on va en France, ou on va en Belgique, ou on va n'importe où, il y a un semblant de français, ils nous comprennent pas! Mais c'est pas parce qu'on parle mal, surtout pas, c'est parce qu'on a notre langage. Le langage du peuple, on parle le québécois! Puis quand on parle québécois, ça nous arrive de temps en temps de sacrer, hein? Eh ouais, tabarnak! Moi, j'essaie de pas le faire quand ma mère est présente, mais bon, ce soir, elle est pas ici, donc je vais sacrer en tabarnak ce soir. Et c'est justement ce tabarnak-là qui est très populaire ailleurs. Est-ce que vous connaissez ce petit tabarnak-là? Hein? Vous le connaissez, ce mot-là? Ça veut dire bien des affaires, on peut l'utiliser à toutes les sauces. Mais c'est bon quand on est bien frustré de l'utiliser. Moi, quand je suis fâché, je dis pas « je t'en crisse ». Non, je dis « je t'en tabarnak ». Tout le monde ici présent, vous criez pas, là. Vous gueulez comme des hosties de malades le mot tabarnak, OK? 1, 2, 3! Popé! Mais ils vous ont pas entendu deux coins plus loin, OK? Faites un effort, je sais que vous êtes capables. 1, 2, 3! Ouais. Ouais. C'est très, 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 très bon. Dans la vie, on fonce ou on crève. Puis vous autres, vous foncez!